Bonjour les petites bulles, j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois, on a été voir le gang des Yigaz et nous avons enfin pu pénétrer dans la créature divine Banaboris. Donc là, aujourd'hui, notre but, c'est de la libérer et pouvoir enfin soulager les Gerudo de cette menace, parce que on va pas dire le contraire. Cette menace, elle est quand même très puissante, donc notre but, franchement, ça va être de les soulager. Donc c'est parti. Déjà, ça commence bien, un petit gardien. Voilà, meuf. Donc ça, je peux pas le récupérer, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, il y avait... Ah non, c'est quoi, il est là. Alors, je vais pas attaquer avec ça. Je vais prendre celui-là. Ah, il zoom quand même. Je me rappelle plus trop qu'est-ce qu'il faisait celui-ci. Mais... Alors, je sais qu'il y a un coffre normalement au bout, mais j'arrive jamais à l'attraper. Je vais essayer, mais je vous promets rien parce que souvent je loupe mon coup et puis j'arrive pas à l'avoir. Je pense pas que je vais y arriver. J'ai jamais réussi à l'avoir. Il est tombé. Tant pis. C'était un cœur antique. C'est pas trop grave. Donc. On va aller là. Ensuite, on remonte. Excusez-moi, je regardais si le timer était bien enclenché. Oui, du coup. Donc c'est parti. Donc comme j'ai dit la dernière fois, il est fort probable que je me perde dans Digi. Donc soyez pas surpris si c'est le cas et ne ragez pas. Hein. Mais j'ai beau l'avoir fait plusieurs fois, souvent, alors que ce soit lui ou que ce soit celui qui est au niveau des gourons. J'ai souvent du mal en fait. Les plus faciles de toute façon c'est celle de Baruta et Bamedo. Shinju no mappu o te ni ireta ne. Mappu o yoku goran. Hikatte iru shirushi ga Shinju ba Naboris o seigyo suru tanmatsu da yo. Naboris o tori modosu tame ni wa seigyo tanmatsu o zenbu kidou sase nakia ikenai. Demo anta nara dekiru yo. Non, je pense pas que ça me pose un problème. Ok. Je me rappelle plus trop d'abord, je dois avouer. Je suis bouffe du coup. Voilà. Premier truc. 残りの制御端末はあと 4個頼んだよ 4e je veux dire. Du coup on va attendre encore. De toute façon faut tourner plusieurs fois pour sortir. Bon, le premier terminal il est pas difficile à trouver, hein, vous avez pu le voir. Les plus durs ça va être les autres, surtout celui-là qui est en hauteur là, qui est dans la la bosse. À chaque fois j'ai un petit peu du mal à le trouver, mais bon c'est trouvable.
Est-ce qu'il y a un terminus ici? Je crois que oui, mais je ne suis pas sûre. Ça nous amène où là? Et je vais en face. Alors désolé, j'ai pas beaucoup parlé parce que je suis assez concentrée. Je me rappelle plus trop comment je faisais tout ça, donc je préfère prendre mon temps que de faire une bêtise. D'accord. Oui, donc comment on fait après? C'est déjà ça. Boum. Peut-être coulisse. D'accord, c'est pas ça. Coulisse, c'est celui du milieu. Ça va revenir, mais doucement, mais sûrement. Franchement, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et le Banabori, je le trouve très labyrinthique personnellement. Mais ça se fait. Déjà, hein. Sur la tête. Franchement, pour l'instant, je trouve que je me débrouille assez bien. Donc, vas-y, s'il te plaît. Donc, si j'ai bien compris, il y a un terminal ici. C'est prévu. Alors. Par contre, pour ici, c'est beaucoup plus dur parce que là, je crois qu'il est à l'intérieur. Pour y aller, c'est l'intérieur, donc là, ça va être un peu plus dur. Je ne me rappelle plus trop par où on passe. Déjà, ça ne doit pas être par là, mais bon, j'y vais quand même. Ah non, 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 tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Ça serait bien dommage. Il peut y avoir un moyen, mais je ne sais plus trop comment. Je vais y réfléchir. Là, c'est dans mes cordes.
suis à la porte du milieu, elle est ouverte. J'arrive à la fin. Déjà pour atteindre la porte du milieu. Comme ça ? Non, c'est pas bien. Ça ferme directement la porte. La porte du milieu, je sais plus ce qu'il y a dedans. Je veux vraiment vérifier s'il y a quelque chose d'intéressant dans le jeu. Ah, un coffre. Je prends des coups toutes les 4 secondes. Est-ce que je peux pas en éteindre un? Si, pour pouvoir en éteindre un. Est-ce que c'est caché ou non? Ouais, faut un bouclier que j'ai déjà. J'ai perdu beaucoup de vie pour pas grand chose, quoi. Je peux le prendre pour ça. Est-ce que je me serais pas bloqué? Ah non, non, ça le fait tout seul. Oups. Petite boulette. Allez, laisse-moi sortir s'il te plaît. Alors. Du coup. Hop. Hop, hop. Et hop, hop. Franchement, je pense pas que je vais faire tous les coffres parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, je crois que ça a servi à quelque chose de ce que je viens de faire, mais je suis pas sûre. Laissez-moi réfléchir. Pourquoi ça a servi ce que je viens de faire? D'accord, c'est bon. C'est bon, je viens de me rappeler. C'est compliqué, mais je viens de me rappeler. Alors, attends. Déjà. Je suis où? Je suis là.
dois savoir comment avoir les autres. C'est bon. Fallait me rappeler, mais là c'est bon. Alors, par contre, comment je fais pour monter tout là? Je sais plus. Déjà là, je suis plus au possible. Alors. Savoir. J'espère que je ne me trompe pas. Normalement, il faut que je mette tout en haut. Et normalement, ça devrait rallumer les loupiottes. Les loupiottes. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y en a un derrière? Ah oui, alors après, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir sprinter si je dis pas de bêtises. Je vais passer par là. Je peux rien faire. Vraiment, je vais faire tout en haut. Du coup. Allez, trop tôt, c'est pas grave, on recommence. Bon alors attendez. Ah, je pense pas. Bête.
Project. Ah mais attendez. Je suis pas sûre. Mais je peux pas lui balancer une flèche éclair pour voir. Parce que c'est ça. Ah bah si ça fonctionne. Oh donc c'est que c'est les fesses franchement. Pourquoi je l'ai pas vu? J'avais pas vu sur. Mais saute! Oh là là. Je passe. J'ai essayé une dernière fois, mais sinon, on va partir. La dernière fois que je tente, et puis si j'arrive pas, tant pis. On ferait autre. Mais je pense que là, c'est bon. Oh non. Non, c'est la triche. Je suis pas d'accord. Ça descend beaucoup trop vite à mon avis. Je vais essayer une dernière fois. Après si c'est pas possible, c'est pas possible. Vraiment que je réussisse à le pousser et à sprinter. Alors j'avais réussi presque. Oh ouais, non, mais c'est moi qui ai été nul. Désolé. Hein? Oh non, alors là c'est dégueulasse. Toi je l'avais poussé. Bon, c'est pas grave, j'ai réussi enfin à atteindre ce que je voulais atteindre. Mais quand même. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors. Mais j'ai pas envie de prendre les mots. Est-ce qu'il y a quelque chose par là, père? Ça avait un grand chose. Ah si. Je dois bien servir à quelque chose ça. Alors. Ouh, je t'avais pas vu toi. D'un moment, laissez-moi tranquille. Donc j'ai juste fait vite fait sur la pilule. Si j'y arrive à temps, oui c'est bon. Voilà. Ah, merde, j'ai refusé. Je voulais le viser mais j'ai loupé mon coup. C'est pas grave. Désolé hein, pour les failles. Je serai en retard la prochaine fois. Alors, il est bon.
c'est bon, je sais que je suis pas visée, mais quand même. On fasse quand même le. Puis elle a déjà fini. Ouais, ouais. Alors, heureusement que tu viens pas de finir celui que tu viens de télécharger. Ça serait quand même un con. Mais... Allez mon grand. En fait la seule chose qui était intéressante si vous voulez dans les coffres, bah, c'est celui qui est tombé en fait. Donc. Tant pis. Y a quoi ici? D'accord. Pas très intéressant. Parce qu'on n'a pas besoin de revenir sauf s'il nous manquait quelque chose. Du coup. On va attendre le prochain, pardon. En vrai, là, pour une fois, je me suis pas tant perdue que ça. Donc, je suis assez fière de moi, quand même. Parce que d'habitude, je vous jure, je me perds facilement. Monter quand même. Non non c'est bon. Donc on va pouvoir faire le coup. C'est assez rapide. En fait il était assez rapide. Yosh, seigneur Tamatsu a coré de zembu. Mappu o yoku miru nda. Atarashiku hikatte iru. Ooki na shirushi ga aru kedo sa. Yudan sun janai yo. Non, on va pas prendre la grosse tête vu que c'est à cause d'eux que vous êtes morts. Alors du coup j'ai monté un peu le son, vous m'entendrez peut-être un petit peu moins, mais je pense que c'est mieux quand même que le son soit assez fort parce que bah, y avoir des cinématiques et autres, donc à moi d'augmenter un peu le son de ma voix. そいつはガノンが作った化け物だ。100年前、私は手も足も出せずやられちまった。でもさ、あんたはこんなところで終わるわけにはいかない。そうだろ？奴の動きは速い。惑わされるんじゃないよ。はい。
j'ai pas d'épée. Bonjour, bienvenue à toi. Déjà, je prends ça. C'était pas une très bonne idée, ça. Je vais même manger ça, tiens, et puis je vais prendre ça. C'est la deuxième phase que j'aime pas beaucoup, vous allez voir pourquoi, parce que vous êtes rendu compte que c'est un personnage, un monstre qui les profite pas mal. Donc la suite, ça va faire un petit peu mal. À chaque fois, il change, c'est compliqué. Ah, il s'est pas électrocuté avec. Enfin! J'ai vraiment été nul sur mon coup.
さすがだね。おかげで私の魂も奴から解放されて、このナボリスも取り戻せたよ。これでやっと自分の仕事を果たせるってもんだ。あんたの助けになるっていう仕事をね。あんたがハイラル城で厄災と戦う時を楽しみにしてるよ。この神獣と一緒にガノンをぶちのめしてやれるんだから。ああ、贈り物があるんだよ。私の力、ウルボザの怒りを受け取っておくれ。きっとあんたの役に立つよ。私らのことであんたもおひいさまも苦しんだんだろうけどね。こうなるしかなかったんだよ。あんたらのせいじゃない。だからあの子に伝えておくれ。もう気に病むんじゃないよって。それから胸を張っていいんだって。おひいさまを頼んだよ。ああ、ついでにこのハイラルもね。神話に謳われるゲルド族の賢者、そのゆかりの名をいただいたあんたも立派なゲルドだよ。そうだろ、ナボリス。100年前、私らはあっさりと奴にやられちまったけど、もう負けるわけにはいかない。厄災ガノン、とぎ話によればあいつも元はゲルド族だ。だから私もあんたも全力で奴に立ち向かう。それがゲルドの意地ってもんだろ。しっかりガノンを捕らえていておくれ。リンクが奴と戦う時、すごい一発を食らわせてやろうじゃないか。今からその瞬間が楽しみだよ。Là, on sent bien en fait le lien, surtout là, en fait, elle vient nous faire le lien Urbosa de Ocarina of Time en fait.
En disant que voilà, ils avaient un ancêtre qui était Naboru et donc qui faisait un lien avec Vanaboris, donc le nom de la créature divine. Et c'est vrai que si on regarde tous les noms des créatures divines, à chaque fois ça fait vraiment une référence aux anciens jeux Zelda. Par exemple, comme on vient de dire, Vanaboris qui vient de Naboru, qui était une sage en fait dans Ocarina of Time. Après, on avait Varuta qui vient de Ruto, une petite Zora qui était en fait fiancée avec Link après lui avoir donné la pierre de. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelait, la pierre Zora, je crois. Qui était en fait un symbole de mariage. Et bizarrement, pareil, là, dans ce Zelda-là, pour faire le symbole de mariage, bah, c'est la tenue de Zora. Et ça se voit qu'encore une fois que Link devait être fiancé avec la princesse Zora, qui est ici Mipha. Ensuite, on verra plus tard que la créature divine des Gorons, bah, ça va faire Varudania de mémoire, ça va faire aussi référence au chef Goron dans Ocarina of Time. Et le dernier, c'est par contre Vamedo, qui fait référence à Medoli, qui est aussi une piaf, mais cette fois-ci, vu que ça n'existe pas dans Ocarina of Time, ça fait référence à Wind Waker. Et franchement, rien que pour ça, j'adore ce Zelda-là, ce qui fait beaucoup de références aux anciens Zelda. Et vous allez voir un truc assez drôle, c'est que je vais me changer devant elles, et elles vont pas du tout me jeter dehors en disant « Mais oh, t'es un garçon !» alors que je vais me changer juste devant elles. Ah, la logique de ce jeu, parfois. Mais passons. Donc on va rendre vite fait la quête. Je vais faire de la place parce que malheureusement je n'ai plus de place. Qu'est-ce que je jette? Celle-là je l'enroule, je vais l'acheter, je vais la prendre en même temps en photo. Hop, une petite lance électrique qui va partir à la poubelle. Une fourche plutôt. Et toi tu vas casser, donc je peux te jeter aussi, je vais te prendre en photo. Parce qu'il faut faire de la place pour les objets. Ah oui, bah, personnellement moi j'adore les Zelda, donc de ce côté là il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça aussi que je le refais en live. Et bien sûr aussi pour YouTube qui nous regarde. Et après celle-ci je vais la mettre en ligne. Te revoilà. Oh. Je suis contente que tu ailles bien. Vraiment contente. Naboris a retrouvé sa position initiale et l'énorme tempête de sable s'est calmée. Le grand fléau m'inquiète, mais au moins Naboris n'est plus une menace pour mon peuple. J'aimerais te remercier pour toute l'aide que tu nous as apportée. Voilà pour toi. Ces pièces d'armement sont des trésors de notre peuple. Urbosa la Grande s'en servait autrefois. Puisque vous étiez amis, je me suis dit que ce serait une bonne idée de t'en faire cadeau. Hop. Cette épée d'excellente facture était l'arme favorite du prodige Urbosa. Lorsqu'elle la maniait, ses mouvements prenaient alors toute la grâce de la danse. Et ça, on verra dans une cinématique qu'on peut avoir que grâce aux extensions que j'ai bien surpris. Et c'est pareil, en fait, on va la voir se battre dans une cinématique. Et franchement, j'ai hâte de vous la montrer. Aussi léger que robuste grâce au métal d'exception dans lequel il a été forgé, le bouclier favori d'Urbosa permet de parer facilement les attaques les plus violentes. Bien entendu, je ne les utiliserai pas, hein, comme j'ai dit, ou alors peut-être au boss final. Mais vu que ça se casse, je préfère éviter de les utiliser. Surtout que vous voyez bien comment je sais très bien parer les gardiens. Voilà quoi. Je casse facilement mes boucliers, donc on va éviter. Qu'est-ce que j'ai comme arme? D'accord. Donc du coup, mes petites bulles de YouTube, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo.
Et puis bah pareil, n'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser vos commentaires, vos avis. Et ça m'a fait plaisir de vous faire la vidéo. À bientôt, bisous.